Un seul titre dans ce magazine, les étalons du Burkina Faso tenteront la passe à deux ce samedi à Nouakchott dans le cadre de la deuxième journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Cameroun en 2019. Paolo Duarte et ses poulains ont foulé la pelouse du stade Cheikh Bouadia de Nouakchott cet après-midi même. Nos envoyés spéciaux, Adam Aguiti et Lassina Sawadogo, nous en diront plus dans ce magazine. Mesdames et messieurs, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue et merci de nous suivre. Les étalons sont en terre mauritanienne depuis jeudi, sans Jonathan Pitropa et les frères Traoré. Malgré donc ses absences, Paolo Duarte entend défier les Mourabitouns de la Mauritanie. La bataille pour occuper la première place aura lieu ce samedi, donc au stade Cheikh Bouadia de Nouakchott. La reconnaissance de la pelouse a eu lieu cet après-midi même. Retrouvons nos envoyés spéciaux, Adama Guetti et Lassina Sawadogo. C'est plus une reconnaissance de la pelouse qu'un entraînement pour les étalons ce vendredi après-midi. Arrivés en provenant de Casablanca au petit matin, les poulains de Paolo Duarte ont pris connaissance avec le stade aménagé en un temps record pour abriter le match. Les travaux à 24 heures se poursuivaient toujours. Une heure d'exercice et d'atelier pour prendre le pouls. Et moralement, on est prêt. Et on sait que ça sera un match très très difficile. Maintenant, c'est à nous d'avoir les ressources et l'intelligence nécessaire et la force pour pouvoir avoir un bon résultat. Et en sachant bien qu'ils jouent à domicile, et le terrain est difficile, mais on va s'adapter et on va tout faire pour avoir un bon résultat. Surtout notre expérience, parce qu'on a, plus d'expérience qu'en nous de savoir gérer les moments forts et les moments faibles pour pouvoir bien gérer ce match. C'est sûr que ça va être un match difficile. Juste eux, ils vont vouloir pousser. Ils ont gagné les premiers matchs, ils sont en première écho avec nous. Donc à nous de montrer que c'est nous les favoris de ce groupe et surtout faire le match qu'il faut. Le plus important pour nous, c'est de repartir d'ici avec des points. Donc à nous de gérer ce match, faire le match qu'il faut. Abdou Raza Traoré regagne le groupe. Donc quand tu viens, c'est comme si tu t'étais pas senti, tu vois. Donc je suis content d'être là et demain, on sait qu'on a... On a un match très important pour la qualif. Donc voilà, on est concentré, on a essayé de travailler, voilà, et se focaliser sur les 3 points. Donc voilà, on va venir demain et puis essayer de donner le meilleur de nous-mêmes pour pouvoir obtenir gain de cause. Le sélectionneur doit faire sans Bertrand Traoré, Alain Traoré, Jonathan Pitropa et Edmond Tapsoba. Et c'est cette difficulté qu'on va voir parce qu'il y en a de joueurs qualité, il faut le dire. On a des jeunes qui ont lancé et qu'on les prépare pour l'avenir. Mais un jeune ou deux jeunes qui rentrent dans une équipe dispersée, ce n'est pas un problème parce qu'ils ont la qualité. Mais 4 places nouveaux et de nouveaux joueurs et jeunes joueurs avec la responsabilité de marquer sera plus difficile. Mais de quelque façon, je suis toujours confiant. Et je dois préparer mes guerrières, ma équipe pour rentrer avec la maxime confiance parce qu'on ne peut pas pleurer pour que les joueurs qui sont là, mais on doit valoriser les joueurs qui sont là. Une difficulté, mais une chance pour la jeune garde, toujours aux aguets. Une chrono, c'est le temps qu'a duré l'entraînement. Le seul entraînement de Paolo Duarte et ses poulains sur cette modeste pelouse synthétique de stade qui va habiter donc la rencontre de ces éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2019 ici à Nouakchott. Paolo Duarte est confronté à une véritable équation. C'est une cascade de blessés qui sont donc annoncés pour cette équipe des étalons. Malgré tout, le technicien portugais doit sortir un 11 capable d'arracher un résultat ici et nous offrir peut-être déjà des perspectives pour la prochaine CAN au Cameroun. Et pour mieux cerner donc les contours de cette rencontre entre les Mourabitouns de la Mauritanie et les étalons du Burkina Faso, nous allons joindre par téléphone notre envoyé spécial Lassina Sawadogo. Bonsoir. Bonsoir, Jean-Modeste Drago. Alors Lassina, dites-nous, vous avez parlé des nombreux absents. Quel pourrait être le visage offensif de l'équipe du Burkina et quel est le classement probable selon vous? Oui, bonsoir. Hein, bonsoir, Modeste Drago. Vous faites bien de le dire. Hein, c'est la grosse équation ici pour cette équipe des étalons qui devra jouer demain face au Mourabitouns. C'est quel attaquant pour affronter donc cette équipe?
pour ce match. Écoutez, Jean-Maurice Le Drago, on aura sans doute un milieu de terrain très renforcé, naturellement Charles Caboret, Brian Dabo, Blati Touré, le retour de Razak Traoré, et puis devant sans doute faire confiance à la jeune garde comme Zakaria Sanogo et Abou Ouattara, ces deux garçons-là, hein, pour ce qu'on nous a dit, on fait un très bon service du côté de Casablanca, et pourrait donc tenir la corde dans le pont de Paolo Duarte pour ce match de demain. C'est vrai aussi, Jean-Brice Drago, pour la défense, on est en train encore d'hésiter. Hein, selon ce qu'on nous a dit, il se pourrait qu'un garçon comme Jean-Noël Ngani, qui est crédité, hein, un bon début de championnat du côté de Oréa, soit titulaire. Idem même pour un garçon sur lequel on avait quelques doutes, il s'agit de Silviago, il pourrait aussi commencer. Et la danse cycliste serait sans doute la mise sur le banc d'un garçon comme Yacouba Koulibaly du Havre. Naturellement, Bakary Koné et Soufou Dayo assurent donc l'axe central. Et puis, Hervé Kofi Kwaku sera sans doute dans les pêches. Voilà, hein, peut-être à 90% le 11 de départ pour ce match face au Moravitoun demain. Eu des échanges, hein, en off avec quelques joueurs. Est-ce qu'ils sont inquiets? Non, écoutez, l'inquiétude pourrait venir surtout de la pelouse. Hein. Vous savez, c'était le stade Cheikh Boadiel, c'est vraiment un modeste stade, un peu dans la cour de la Fédération Mauritanienne de football. C'est un stade qui a été monté rapidement avec des préfabriqués pour pouvoir donc habiter cette rencontre parce que le stade officiel est en réception. Vous voyez, le stade, il est très modeste et c'est la pelouse surtout qui fait craindre un peu la qualité du jeu aux étalons. Mais ils sont habitués, rappelez-vous de ce match face au Cap-Vert il n'y a pas longtemps. Les étalons ont tenu à drager haute hein, au Cap-Verdien sur la pelouse synthétique. C'est un peu dans la même configuration qui se retrouve. On a un garçon comme Issoufou Dayo qui pète la forme, comme on le dit souvent. Un garçon aussi, hein, comme je l'ai dit, comme Zakaria Sanogo et Abou Ouattara qui sont au mieux de leur forme actuellement. Écoutez, Jean-Marie Drago, hein, Paolo Duarte l'a dit, les anciens l'ont dit comme Charles Caboret et Bakary Koné, les jeunes pousses ont leur chance ici à saisir et il ne faut pas du tout rater cette chance-là. Les cadres ne sont pas là. C'est un match face à une équipe mauritanienne qui n'est pas aussi étincelante que cela. Aux jeunes de prendre leur chance et puis de montrer qu'on peut leur faire confiance surtout. Lassina Sawadogo, qui est notre envoyé spécial du côté donc, de la Mauritanie, pour cette rencontre entre la Mauritanie et le Burkina Faso, entrant dans le cadre de la deuxième journée d'éliminatoire de la Coupe d'Afrique Cameroun 2019. C'est pour ce samedi à partir de 17h, temps universel du côté de la Mauritanie. Tournoi éliminatoire Cannes Cadette Tanzanie 2019. Ce dimanche, les étalons cadets de Daouda Sanou Famoso seront face aux éléphantos de Côte d'Ivoire. En rappel, le Burkina Faso s'était imposé face au Nigeria 3-2 lundi dernier. Et ce jeudi, le Nigeria a pulvérisé la Côte d'Ivoire 5-1. En cas de match nul, les étalons cadets seront qualifiés donc pour les demi-finales ce dimanche face aux éléphantos de Côte d'Ivoire 16h30, temps universel. La troisième Coupe continentale IAF, nous sommes en athlétisme, débutera ce samedi à Ostrava, en République tchèque. Cette compétition regroupe les deux meilleurs athlètes par épreuve de chaque continent. L'objectif est d'établir un classement des quatre continents à l'issue donc de la compétition, l'Europe, les Amériques, l'Asie et l'Afrique. Dans la sélection africaine, deux Burkinabés y figurent, à savoir Hugues Fabrice Zango et Marthe Yasmine Kwala. Avant de prendre le vol, leur entraînement a été suivi pour nous par Nongdo Kouda, Kounsouna Koulibaly et Mahamadi Wena. Footing, stimulation des nerfs par l'effet d'une charge 100 kg, 120 kg, 180 kg, puis 220 kg. Fixation de la jambe gauche par des exercices au haies. Rien n'est trop dur pour Hugues Fabrice Zango dans la perspective de maintenir la forme. Après le Asaba, j'ai pu ressauter 16,80 m comme vous l'avez vu au meeting de Ouaga, qui prouvait que j'avais encore de la force. Et là, je n'étais même pas encore sur les mêmes bases d'Asaba. Et là, je fais des séances d'entraînement depuis une semaine qui sont très prometteuses. Comme Hugues, Mathiasmine Kwala, elle aussi, ne rechigne pas à la tâche afin d'être dans la meilleure condition physique à Ostrava. Je me prépare bien avec M. Sawadogo Misiri. Le moral est bien haut, donc j'ai de bonnes sensations, on va dire. Je sens bien les jambes et je pense que ça promet. Pour la préparation de cette Coupe continentale,
Hugues et Matt sont assistés par ceux-là même qui ont dirigé leur premier pas dans l'athlétisme. Techniquement, ce que nous avons évalué, elle est toujours au bon niveau. Et parce que 6,66 à 50 mètres est, et pour nous, c'est une très bonne performance parce que ce sont ses meilleures réactions comme ça depuis que nous avons commencé à nous entraîner, depuis qu'elle a commencé à faire. Nous, nous pensons que si tout va bien, elle va retrouver son meilleur niveau et peut-être qu'elle va s'améliorer. Aujourd'hui, je pense qu'il doit être au meilleur de sa forme vu les quelques tests de valeur physique et même de performance qu'on a eu à faire. Il est vraiment au top. Et nous pensons qu'à moins d'une catastrophe, il peut même être au-delà de ce qu'il a fait à Saba. Des réels espoirs pour Hugues Fabrice Zango au triple saut et Matt Yasmine Kwala au saut en longueur et au 100 mètres haies pour leur première à Niaïef Continental Cup. Ces deux athlètes ne manquent pas d'ambition. Alors l'objectif déjà c'est de marquer le maximum de points pour l'Afrique au saut en longueur et au 100 mètres haies et également battre mon record encore une fois en longueur et au 100 mètres haies. Je pense que c'est possible. Alors à Ostrava mon objectif, bon il faut dire qu'il y a le champion olympique qui est là, donc ça ne sera pas si simple que ça c'est sûr, mais bon, mon objectif c'est forcément de gratter la meilleure place. Hein. Hugues Fabrice Zango et Matt Yasmine Kwala défendront à Ostrava, en République tchèque, les couleurs de l'Afrique. Mais de belles performances auront un impact évident sur l'athlétisme burkinabé, actuellement dans une pente ascendante. Bonne chance donc à Matt Yasmine Kwala et Hugues Fabrice Zango. Les championnats d'Afrique de karaté 2018 ont pris fin en début de semaine à Kigali, au Rwanda. Le Burkina Faso a glané 3 médailles au total, une en argent et 2 en bronze. Retour sur Kigali 2018 avec nos envoyés spéciaux, Mathias Drabo et Victorien Marienne. Le karaté burkinabé a renoué avec le concert des nations d'Afrique de la discipline en prenant part au 9e championnat d'Afrique junior et les 17e seniors. 14 tireurs burkinabés sont ainsi montés sur le tatami en kata individuel, kata en équipe et les kumités. Face à la crème du karaté continental ainsi rassemblée au Inare Conference Arena Rusororo de Kigali, les ambassadeurs du Faso n'avaient que leur courage pour se défendre. Au bout du compte, Liliane Ilboudo, 17 ans, kumité junior fille de plus de 59 kg, après avoir éliminé une concurrente rwandaise en demi-finale, perd malheureusement la finale devant l'égyptienne Elwari Yasmine en arrachant la médaille d'argent. Lily, pour les intimes, offre à son pays la plus haute distinction africaine obtenue par le Burkina en karaté. Cette médaille m'a beaucoup surpris parce que je n'y croyais pas vu que c'est ma première participation et je ne savais pas à quoi m'attendre justement. Donc grâce à mes coéquipiers, bien sûr, et mes coachs, et bien sûr les encadreurs et tous ceux qui sont là. Ça m'a vraiment poussé à aller chercher cette médaille-là. Tout n'est pas perdu, rien n'est perdu. On peut toujours aller chercher. L'année prochaine, le Burkina sera là. Le Burkina sera premier. On chantera l'hymne national. Et vraiment, le Burkina sera premier, c'est ce que je veux dire. Les deux médailles de bronze sont l'œuvre d'Anisha Rwamba en kata junior fille et Alan Sanou en kata junior garçon. Face à l'Égypte. Pour ma première participation à un championnat d'Afrique, je m'en sors avec une médaille de bronze. Bon, j'aurais aimé atteindre l'or, mais bon, arriver un coup et prendre la place des titulaires, ça serait un peu bizarre. Donc, on va mollo. Après, on monte. Je suis tombé sur l'Égypte. Bon, je pense que si on suit vraiment leur entraînement, c'est vraiment des entraînements très rigoureux. Donc, je pense que, bon, toi, contre l'Égypte, je pense que mes chances n'étaient pas très grandes. Mais je pense que bon, la médaille de bronze, je pense que je la mérite quand même. Puis ce fut la descente aux enfers et la désillusion pour le reste des compétiteurs. Du capitaine Bernice Sawadogo en passant par le franco-burkinabé Bila Eud Kapenda, Gloria Guissou, Latifatou Soro, Arif Ouedraogo, Isabelle Ouedraogo, ils ont trouvé sur leur chemin des tireurs expérimentés camerounais, sénégalais, égyptiens et algériens et qui ont surtout du coffre à revendre. Les espoirs ont été déçus, mais il y a tout de même des circonstances atténuantes. Sur le tatami, on a tout donné. C'était vraiment l'essentiel, donner tout pour ne pas repartir avec vraiment
des regrets. On tire vraiment le son de cette expérience-là. Voilà, pour revenir plus fort. C'est compliqué de venir et puis de percer une fois comme ça parce qu'il faut avoir l'œil des arbitres, participer régulièrement aux compétitions. C'est un championnat de haut niveau. C'est complètement différent carrément de la zone qu'on maîtrise actuellement. Et cette expérience-là, parce qu'on va l'appeler expérience, c'est vraiment une bonne expérience parce qu'on a eu l'occasion de se frotter aux champions du monde depuis, je crois, 2014. Et qu'on arrive là et que on est quand même 10e sur 27 pays. Je crois que déjà, c'est un gros potentiel. Et c'est juste le travail. Et il faut retourner, se repréparer pour revenir. Après la série noire, l'on avait repris espoir avec l'entrée rassurante de Traoré Daouda Kader du TDK, en comité senior de moins de 84 kg. TDK impressionnant face à un adversaire algérien. Il sombrera ensuite physiquement et à petit feu, combat après combat. Quand vous voyez le résultat de notre zone, c'est-à-dire la zone 3, le Burkina est actuellement premier. Ça veut dire que notre zone, c'est pas mal, mais il faut travailler plus pour revenir. Parce que là, le niveau, il est très élevé. Mais quand on voit le combat de Heut, je sais qu'il pouvait donner plus que ça. Et il a été repêché, malheureusement, il ne pouvait pas parce qu'il a eu un choc au genou. Mais franchement, on pouvait aller chercher des médailles avec Bernice, avec Dao. Physiquement et tactiquement, même techniquement, il faut retravailler parce que quand on voit les autres travailler, on est un peu en retard. Ça fait 4 ans déjà qu'on n'était pas venu à ce niveau. Mais c'est bon déjà d'être là. Les enfants ont vu et moi-même j'ai vu. Bref, le baptême de feu des tireurs burkinabés à Kigali 2018 est donc mi-figue, mi-raisin. Le bilan est dans l'ensemble satisfaisant. D'abord le fait de pouvoir participer et surtout de pouvoir engranger de très bons résultats. Alors c'est vrai qu'en venant, nous avons fixé la barre déjà très haute en espérant avoir 5 à 7 médailles. Ce qui est très bon, dans le classement général, nous sommes 10e sur 27 pays, ce qui est un très bon score pour nous. Dans ce résultat également, si on compare aux autres pays de la zone, nous sommes toujours les premiers. Face au Niger, face au Togo, face au Bénin, face au Ghana, nous sommes premiers dans notre zone. Donc nous pensons que c'est un très bon résultat à prendre. En kata, nous aurions pu prendre la médaille pièce d'or parce que nos enfants étaient très bons, ils étaient bien préparés et ils ont eu des adversaires sur lesquels ils dominaient. Malheureusement, il y a eu une petite erreur dans le déroulement du kata qui a fait qu'ils ne sont pas passés. Là où on gagne également, c'est en maturité et surtout en leçon. Au retour au pays, nous allons mettre l'accent sur ces aspects-là, notamment la rapidité dans les mouvements et puis le travail physique pour être au top. Parce que le championnat de ce niveau, ça ne se gagne pas sur un ou deux combats, ça se gagne sur plusieurs combats. Il faut qu'on travaille à ce que nos athlètes soient vraiment au top physiquement pour pouvoir affronter ces genres d'épreuves. 3 médailles donc au total dans la JBCR, c'est peu et beaucoup à la fois. On le sait, et pièce justificative à l'appui, le chemin qui mène vers le podium africain du karaté est aussi long et plein d'embûches. Et seul le travail, rien que le travail dans la rigueur absolue, qui fera la suite. Et tout ceci a été possible grâce à la conjugaison des efforts entre le ministère des Sports et des Loisirs, le ministère de la Jeunesse, de la Formation et de l'Insertion Professionnelle et la Très Volontaire, FBK. Les 10e championnat d'Afrique junior et les 18e championnat d'Afrique senior de karaté se tiendront en août 2019 à Gaborone, au Botswana. À l'issue de ces championnats d'Afrique, nos envoyés spéciaux ont tendu leur micro à des officiels présents à Kigali. Ils apprécient donc la participation burkinabé. Je crois que c'est une grande première. Et il faut voir le nombre de la délégation. Je crois qu'il y a des efforts qui ont été faits quelque part. Ça, il faut le reconnaître. Et dire merci au ministère des Sports. Féliciter la structure nationale du karaté pour tout ce qu'ils sont en train de faire. Je sais que ce que le ministère a donné à la fédération, mais je sais qu'il y a eu un effort supplémentaire énorme qu'ils ont eu à faire. Et j'ai vécu les choses ici en direct. Pour revenir à la compétition, je crois que le résultat dans son ensemble est satisfaisant. Satisfaisant pourquoi? C'est une première et on arrive à faire 3 podiums. Et ce qui est encourageant dans tout ça, c'est encore que ce sont des jeunes qui ont acquis ces médailles
de haute lutte. Ça veut dire qu'il y a de l'espoir. Il y a l'avenir de ce sport-là qui est préparé à travers la structure actuellement. Je voudrais, avant tout propos, dire d'abord merci à M. le ministre d'avoir cette hauteur d'esprit et d'accompagner la fédération de karaté et du même coup accompagner le ministère du sport qui a bien voulu que les Burkinabés puissent prendre part à cette compétition qui n'était pas forcément évidente. Et au regard également des ressources que nous disposons à notre pays, et je pense que le classement que nous avons aujourd'hui, c'est bon à prendre. Et nous sommes édifiés dans la mesure où, effectivement, les jeunes se sont suffisamment battus au regard du niveau de compétitivité qui était là. On a vu vraiment qu'il y a des pays qui sont très avancés. Quand on les regarde déjà, les moyens qu'ils ont et leur participation, nous pensons vraiment que nous avons pu faire un score très appréciable. Et je rends grâce à Dieu parce que nous n'avons pas eu de blessés graves comparativement à certains pays. Mais ce qui est plus important, je crois que c'est la leçon à tirer des combats qui se sont passés, de la compétition, et mieux s'armer pour les années à venir, pour les compétitions à venir. Et pour être complet sur ces championnats d'Afrique qui ont vu la participation de 28 nations, sachez que l'Égypte a redoré son blason continental en se taillant la part du lion avec 26 médailles, dont donc 16 en or, 3 en argent et 7 en bronze. L'Algérie, avec 13 médailles, dont 7 en or, est deuxième. Le Rwanda, pays organisateur, se classe cinquième avec 8 médailles, dont une en or. On change de discipline et on parle de handball. L'USFA en senior homme et la Lonabé Handball Club en dame peuvent nourrir le rêve de conserver le titre ce dimanche au Palais des Sports de Ouaga 2000. Ce vendredi, ces deux clubs champions en titre ont validé leur ticket pour les finales nationales 2017-2018. L'USFA a écarté l'AS Douane 33-20 et rencontrera l'AS Police victorieuse de l'AS Sonabel 26-20. La Lunabé, quant à elle, vainqueur face à l'AS Sonabi 30-34, affrontera l'AS Douane, bourreau de l'ASFA Yenenga 37-27. Le point des demi-finales avec Gérard Sommet et Christelle Dabré-Paré. C'est l'étape la plus crainte pour les formations du Caritas. Elle est décisive car elle peut vous ouvrir ou vous fermer les portes de la finale. Pour les demi-finales du championnat national 2017-2018 de handball, c'est la maison des arts martiaux qui accueille les oppositions seniors hommes et dames. La Lonabé Handball Club, même appuyée par Zalissa Kiem de la future pro, a souffert devant la jeune équipe de la Sonabi. Après une première période sans grand nuage pour les jaunes rouges, la deuxième partie se révèle compliquée et difficile. Les pétrolières font douter les adversaires qui font appel à leur expérience pour prendre le gain du match dans les dernières minutes de jeu. 34-30. On s'est dit déjà que c'était un match facile. Peut-être qu'on va pouvoir gagner facilement. On a créé le danger dans notre camp comme ça. Mais ça va nous permettre de tirer des leçons. Et puis maintenant aussi de s'améliorer la prochaine fois. De ne pas sous-estimer aussi un adversaire. Cette année, nous avons résisté face en tout cas aux plus expérimentés du championnat. Et nous allons nous préparer pour l'année prochaine. On n'est pas dessus, pas du tout. Et ce match en tout cas a beaucoup... Il démontre beaucoup, en tout cas, des capacités que nous avons à notre sein. La Lonabé Handball Club a l'occasion ce dimanche de conserver son titre. Pour cela, elle devra prendre la mesure de l'AS Douane, tombeuse de l'ASFA Yenenga 37-27, qui ne disputera pas une troisième finale d'affilée. Les douanières ont réussi là où les douaniers ont échoué. Les hommes n'ont pas pu mettre à mal le champion sortant. L'USFA, avec son collectif bien rodé, est parvenu à faire barrage aux individualités de l'AS Douane. 16-10 à la pause, les militaires accentuent leur avance à la reprise. Les gabelous ont beau changer de gardien, rien n'y fit. Les militaires dominent leurs frais d'armes avec un score confortable de 33-24. Depuis les phases finales, vous avez vu que le fond de jeu a quand même changé. Il y a quand même de la nouveauté. On a essayé des nouvelles combinaisons. Comme c'est une jeune équipe, bon, il ne faudrait pas trop les en vouloir. Ça prendra du temps avant que ça monte. Toutes les équipes là, c'est Val, mais c'est le mental
et l'envie de gagner là qui va faire la différence. C'est ce qu'on va gagner sur notre chemin, on joue avec lui, avec la même rage de vaincre. Je crois que si on se bat encore comme aujourd'hui là, ça va aller. L'adversaire de l'USFA pour l'ultime match de la saison est l'AS Police. Pour sa première participation à ce championnat, les policiers frappent un gros coup. Amenés par son dieu Jean-Noël Kamboumoussa Sako, les garçons de Mamadou Traoré, devant l'expérimenté AS Sonabel, prennent une belle option à la pause, 12-9, avant de conclure avec maîtrise, malgré la résistance manifeste des électriciens, 26-20. C'est donc des finales inédites qui sont à l'affiche dimanche au Palais des Sports de Ouagadougou. Alors, autre résultat, chez les juniors, les filles de la Lonabé Handball Club sont tombées face à l'AS Sonabi, 27-29. Le RCB a maté correctement Wayugia, 31-16. En junior garçon, le RCB s'est fait piéger face à l'AS Sonabi, 21-19. Et Wayugia a sorti l'Uzo, 30-20. La finale opposera Wayugia à l'AS Sonabi. Toutes ces finales se joueront dimanche au Palais des Sports de Ouagadougou. La Fédération burkinabé de gymnastique a tenu son 11e championnat le week-end dernier. 40 athlètes ont pris part à ces championnats et finalement, Alidou Simpouré règne sans partage pour la 5e année consécutive dans la catégorie des plus de 14 ans grâce à une moyenne de 15,35 sur 20. Les détails avec Lassina et Mariam Ouattara. Pour la 5e année d'affilée, Alidou Simpouré dicte sa loi au championnat national de gymnastique. Avec une moyenne de 15,35, il s'impose dans la catégorie des plus de 14 ans. Un règne sans partage dans une discipline où grâce, agilité et souplesse sont les maîtres mots. Chez les filles de la même catégorie, Véronique Sanou, championne des petites catégories l'année dernière, confirme toute l'étendue de son talent en s'imposant chez les plus de 14 ans avec une moyenne de 15,87 sur 20. Chez les plus petits, Rachidatou Maïga est celle qui a le plus séduit les jurys. Elle ravit donc la première place avec 15 de moyenne. Chez les garçons, Oura Ismaël ne laisse aucune chance aux 11 autres candidats grâce à ses 15,50 de moyenne. C'est un sentiment de satisfaction en fait. Voilà, parce que ça prouve que, en tout cas, je peux dire que la gymnastique n'a plus bon, de secret un peu. Je peux dire ça, n'a plus de secret pour moi. Donc, s'il plaît à Dieu, on verra s'il y a une compétition extérieure et si le Burkina est préparé à aller, on verra dans quelle mesure on pourra peut-être se former pour ça. Je suis contente. Je les encourage à faire la gymnastique parce que c'est bon pour la santé. Satisfaite du côté des premiers responsables de la fédération qui rêvent de grandes choses pour cette discipline. On dit qu'on est satisfait parce qu'il n'y a pas eu d'incident majeur. Le niveau a été maintenu et nous pensons que les années à venir, on aura encore un niveau technique plus élevé. Parce que comme vous l'avez remarqué, nous avons promis de donner des tapis à tous les clubs. Et je pense qu'avec ce tact-là, les gymnastes vont mieux s'entraîner dans les conditions les plus agréables et par conséquent, les performances seront encore plus élevées. Au moment des récompenses, les 5 premiers de chaque catégorie reçoivent des enveloppes financières accompagnées de médailles de bronze, d'argent et d'or pour les 3e, 2e et 1er. Et c'est parti pour le tournoi international de football féminin de Ouagadougou, TIFO. L'ouverture officielle s'est tenue ce jeudi soir au stade municipal Youssoufou Joseph Konombo. En match inaugural, les étincelles de Ouagadougou se sont imposées sur un score fleuve de 6-2 devant la rive droite du Niger. Konsoun Koulibaly, Samira Sana et la voix de Mariam Ouattara. Les étincelles brillent de mille feux devant la rive droite du Niger, ici au stade municipal de Ouagadougou. Avec le quadruplé d'une Salimata Simpouré des grands jours, les Nigériennes en vert ont sombré devant les filles de Pascal Sawadogo. Dès l'entame, les étincelles prennent le dessus et dictent leur loi. À la 18e minute déjà, Salimata Simpouré ouvre le score sur ce coup franc. Un but galvanisateur puisqu'elle double la mise à la 23e minute. Puis triple à la 28e. Les visiteuses souffrent et tentent de sortir du gouffre sans succès. Mais Salimata Simpouré continue son show et signe son quadruplé avant de regagner les vestiaires.
À la reprise, les étincelles continuent leur exploit, mais doivent faire face à un retour de la rive droite de Niamey. Alassane Zina parvient à réduire le score. Étincelle 4, Niger 1. Les étincelles reprennent le jeu en main et Jacqueline Sedogo marque un cinquième but. Fadila Touedraogo signe le sixième. Il a fallu attendre la 69e minute pour voir les Nigériennes réagir de nouveau. Elles marquent un deuxième but grâce à Bachiratou Tidiani avant la fin du temps réglementaire. Les étincelles remportent cette première rencontre du tournoi international de football féminin de Ouagadougou sur ce score de 6 buts à 2. Et ça a été un long voyage. On est arrivé que hier tard le soir, et la récupération n'a pas été facile. On sait qui explique que bon, l'équipe ne s'est pas retrouvée, surtout en première mi-temps. Et il a fallu la deuxième pour que... Bon, et déjà en ce moment, le score était vraiment très très lourd, 4-0. Ce n'est pas facile à remonter. Pendant ces vacances, on a fait au moins 50 séances d'entraînement. Il nous reste seulement une dernière semaine, on va arrêter les 15. Donc la commission est venue trouver vraiment un moment où les filles étaient un peu en forme. Donc ça nous a permis de faire un beau jeu, je suppose. Avec cette victoire, les étincelles tracent déjà un chemin radieux dans ce tournoi. Quant aux Nigériennes, elles promettent de se remettre sur pied pour les prochaines rencontres. Salimata Sempore du Burkina et Alassane Zina du Niger, désignés femmes du match, sont récompensées par des trophées. Un match avancé de la deuxième journée donc du Faso Foot. Sachez que cet après-midi même, il y a eu des matchs à Jeb AS Douane. 3-0 pour l'AS Douane. L'AS Police s'est incliné devant l'AS Sounabel 1-0. Et puis l'URCK s'est imposé devant l'URCB 2-1. Demain samedi, vous aurez Asfa Yenenga à Sec de Koudougou, Usfa Uzo au stade du 4 août et Majestic Raimo au lycée Vive le Paysan. Et Lusco reçoit donc Salitas à Bamfoura, la SFB et l'Étoile filante de Ouagadougou sur haute prise au stade Wobi de Bobo Odioulasso. Mesdames et messieurs, sachez que le rendez-vous c'est demain à partir de 17h, le match Mauritanie-Burkina Faso. Quant à nous, on vous dit au revoir et à très bientôt sur la RTB. Bonsoir. Pour cette édition du tournoi.